Et maintenant, on a beaucoup parlé justement de cette application Uber qui a fait énormément jaser pour des tarifs beaucoup trop élevés durant le temps des fêtes en grande période d'achalandage. Il y a une dame qui dit qu'elle va essayer d'intenter un recours même si les passagers ont accepté les conditions sans savoir nécessairement que la facture serait aussi élevée. Quelles sont les chances d'un recours collectif dans ce genre de cas? On joint tout de suite Michel Larouche qui est avocat civiliste. Bonjour, M. Larouche. Bonjour, Mme Bergeron. Alors, quelles sont les chances d'un recours collectif contre Uber, même une fois qu'on a accepté les conditions sur l'application? Est-ce qu'on peut aller de l'avant avec un recours? Écoutez, à première vue et sans avoir étudié tout le contrat qui lie les usagers à Uber, je vous dirais que ça semble difficile d'intenter un recours et d'avoir un succès en bout de ligne. Dans un premier temps, il faut que la personne, le premier geste que la personne pose, c'est d'installer l'application sur son téléphone. Et comme la majorité des applications ou des logiciels, on accepte des conditions. Évidemment, il y a plusieurs pages et il y a peu de gens qui lisent ces conditions-là. Tout le monde appuie sur le bouton « Accepter », mais c'est un contrat qui naît à ce moment-là entre la compagnie et l'usager. Mais justement, est-ce qu'un recours, bon, même si on perd ce recours, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer la façon de présenter les choses chez Uber, justement, pour éviter la confusion? Probablement que oui. De ce que je comprends de l'application, c'est que il y a effectivement une majoration du tarif, et quand il y a majoration du tarif parce qu'il y a peu de chauffeurs disponibles, on nous indique clairement et on doit accepter qu'il y a majoration, et je pense que c'était même indiqué quel montant sera majoré. Il y a aussi, si Uber se défend dans ce dossier-là, ils vont sûrement indiquer qu'il y a une façon d'estimer la course et donc de calculer le montant qui sera approximativement qui sera facturé au client. Donc, d'un côté strictement du droit, les gens ont peu de chances de l'emporter, mais est-ce qu'ils ont des recours, justement, pour essayer d'éponger la facture? Dans le fond, c'est peut-être la bonne foi d'Uber qui pourrait rembourser une portion. Comment vous voyez ça? Bien, je pense que légalement, effectivement, les chances de succès sont minces. Maintenant, moralement, d'un point de vue d'une société comme Uber, il y a probablement lieu de revoir la façon de faire au niveau de la majoration, soit de changer les règles et de l'exclure, ou soit de l'indiquer de façon plus définitive pour que le client puisse savoir exactement combien ça peut lui coûter. Et peut-être, certains veulent que Québec encadre le service qui pourrait mettre des balises plus claires? Effectivement, il y a un silence assez inquiétant du gouvernement. Je comprends mal pourquoi le gouvernement tarde à agir. Est-ce qu'il y a des diversions au Conseil des ministres? Ça, j'en fais pas partie, je peux pas vous le dire, mais sauf qu'effectivement, on nous parle d'un service illégal, mais il n'y a pas beaucoup de volonté politique, selon moi, de vouloir changer les choses. Eh bien, Maître Larouche, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci, au revoir.